That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound. Salut tout le monde, Gab le Gamer ici pour l'épisode Uncut numéro 2 qui va être l'épisode 18 de LSPDFR. Donc on va commencer à la base, ça c'est mon desktop ici. On rouvre, on commence par ouvrir le programme pour changer la voix avec les hotkeys. Donc il y en a qui se demandaient voici c'était une application que je faisais pendant le montage ou pas. Mais non, c'est vraiment... fait sur le champ quand que j'enregistre avec des hotkeys sur mon clavier, donc des pitons de plus qu'il faut que je retienne. Après ça, on va partir le jeu Rage Plugin Hook ici, avec Grand Theft Auto juste au-dessus. Donc ça va partir. Pendant que ça charge puis tout, je vais vous montrer ce que j'ai fait en fin de semaine. Donc j'en parle une fois de temps en temps que... dans le tuning, j'aime bien ça, les chars modifiés et tout ça. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai fait dans 20 semaines. Un peu ce qu'on voit, c'était le Paul Walker Memorial 20 semaines. Donc, un événement pour nous au Québec. Il y a des convois qui partent d'un peu partout. Au Québec, donc dans toutes les grandes villes. On se rend une grosse gang à l'autodrome de Saint-Eustache, puis rendu là, il y a des drags, un show and shine, une exposition. Il y avait l'acteur qui fait Jesse dans le film, un autographe, une photo avec, puis tout ça. Donc, ouais, c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai pris un peu de soleil aussi, donc si vous m'entendez me gratter pendant l'émission, c'est parce que j'étais en train de me gratter les bras au sang tellement j'ai pris du soleil. Mais bon, ça va passer. Fait que là, le jeu repart. Donc aujourd'hui, un épisode uncut, pas de montage, je vous montre de A à Z qu'est-ce qui se passe quand je suis prêt à enregistrer un épisode. J'espère que ça plantera pas, parce que ça plante souvent, ce jeu-là. Fait que là, on va faire un épisode d'à peu près 1 heure. 1 heure sans que le jeu plante. Pas sûr! Pas sûr! On va essayer, on va essayer. Donc, l'écran de loading, on voit la liste des mods que j'utilise. Je peux peut-être les expliquer en même temps aussi. Donc, ça, c'est Rage Plugin, c'est la base qu'il faut aller chercher. C'est ça qui fait que ça s'appelle Plugin Hook, c'est parce que ça l'accroche les modes au jeu, tout simplement. Donc le premier mode qu'on va voir apparaître, sont en ordre alphabétique en plus, dans cet écran-là. Premier mode qu'on voit apparaître, c'est Energy Persistent. Ça, ce que ça fait, c'est que les chars disparaissent pas quand que je cours après un voleur ou je m'en vais un peu trop loin. EUP Menu, ça c'est ce qui fait que je peux m'habiller en police. KTFDO, c'est Keep the fucking door open, ce qui fait que je peux garder la porte ouverte quand je sors du char. License Plate Randomizer, ça fait que les plaques sont aléatoires. LSPDFR, bien sûr. Sticky Wheels, c'est que les roues restent tournées. Puis Traffic Control, c'est ce qui fait que je peux ralentir le trafic ou l'arrêter quand que le rond jaune qui apparaît sur la map, c'est ça. Les autres modes, ils sont intégrés dans LSPDFR. J'ai tous les modes de Albo 1 1 2 5 qui sont là-dessus. Donc, on part le bal. Oups! Quand je me suis délogué, j'étais avec Trevor. Fait qu'on va commencer. Aujourd'hui, je vais faire une patrouille en ville. Fait que on va retourner en ville. On va faire ça. On va faire une patrouille d'autoroute en ville aujourd'hui avec un véhicule en mode bêta que je teste. Donc on va aller là. F3 pour ouvrir le menu. On va téléporter. To waypoint. Comme ça. Parfait. Donc là, on est en ville, à côté de l'autoroute, d'un grand parking. Je suis encore un peu sous, c'est pas grave. On fait Shift F11 pour ouvrir EUP Menu, qui transforme mon bonhomme en bonhomme multiplayer. Les caractères, on choisit Gabescu. Après ça, Wardrobe SPVM. Et voilà. C'est fait. Ça, c'est fait. À cette heure, on va se mettre On Duty, donc Shift F4 pour ouvrir le menu de Rage. On va faire Force Duty. Ça, tout ce que ça fait, c'est que au lieu d'être obligé d'aller à un poste de police pour puncher, dans le fond, pour commencer mon shift, je fais Force Duty. Ça load tous les plugins, ça nous met prêt à prendre des appels. Sauf qu'il nous manque une affaire pour pouvoir prendre des appels. Oups, pas le bon piton. Un peu. Non, non. Escape. Escape. Shit. Ça commence bien. Bon, ok. Donc ça a l'air qu'il y a des mises à jour pour mes plugins. J'espère qu'ils vont marcher pareil. Ok, ça devrait, ça devrait. Donc ce que je disais, il manque une affaire pour pouvoir commencer la patrouille, puis ça c'est notre véhicule. Donc on va faire venir notre véhicule, on va faire spawn. Je l'ai enregistré dans la slot police old 1. Ça irait mieux si j'aurais pas fait une faute à spawn, un peu comme ça. Police old 1. Qu'on va faire apparaître le char. Puis, il est en test, le char. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits bugs dedans, mais c'est un pas dans la bonne direction pour quelque chose que j'attends après depuis longtemps. Et on a le Charger avec la flèche fonctionnelle. Donc, on va Shift Ctrl P pour ouvrir le menu LSPDFR dans le bas. Puis si je paye sur Alt et crochet, je crois que c'est. Comme ça, la flèche à lèvres. Puis elle est fucking bright la flèche, mais elle fonctionne. Après ça, on a les lumières aussi. Donc, excellent, excellent, excellent. Toutes des bonnes affaires. Donc, je vais setter mes lumières aussi. Le SPVM, c'est 80. Les lumières, donc on va mettre ça à 80. Comme ça. Oh, non, c'est pas ça pantoute, hein? Un autre qui est pas pire d'abord, puis on va le laisser à ça. Difficile de trouver le bon pattern. On va laisser ça. C'est beau de même. Ok. On va rebaisser la flèche. Puis, on est prêt. Un peu. Le char est sale. On va laver le char. Clean vehicle. On va le réparer. On va aussi figer le temps. Pas que ça bouge. Puis, je pense qu'on va garder cette température-là aujourd'hui. Patrouille. Je sais pas c'est quoi cette température-là. Je pense que c'était fog. Non. Smog? Ouais, smog. Donc, on va laisser le smog aujourd'hui. On va patrouiller avec ça. Puis on est prêt à partir. Donc on va embarquer. On va l'embarquer sur l'autoroute, je sais. Donc on va faire une patrouille d'autoroute aujourd'hui. D'autoroute urbaine. Donc c'est le SPVM peut faire des interceptions sur l'autoroute. On a notre flasher pour tourner ça, pour s'engager dans la bretelle. Dispatch calling unit 1 King 18. We have a petty theft in Davis. Un appel qui rentre pour un vol dans un dépanneur, mais aujourd'hui ça ne nous regarde pas. C'est pas notre patrouille. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de le prendre. Oh, lui par exemple, lui vient de passer sa rouge. On est techniquement pas sur l'autoroute, mais on va aller le chercher quand même. Avec son scooter, il vient de passer sa rouge. Tourne-toi à droite s'il vous plaît, sur la 4 mains, juste en avant de moi ici. Ok, comme ça c'est beau. On va allumer notre flèche. Elle n'est pas du bon bord. Pas du bon bord. Là, il dit bon, bon, parfait. Le 18 au studio, je vais être en triple 4 avec un scooter. On est sur Adams Apple Boulevard, juste en dessous du viaduc de l'autoroute 4. On tourne les roues, puis on sort. Oh, bon, il sort. Ah, ok, donc on a une poursuite. Donc, le 18 en studio, je vais être en poursuite avec un scooter sur Adams Apple Boulevard. On arrive au point de Power Street. Trafic est pesant, visibilité réduite, vitesse réduite. Il va essayer de se sauver d'un char de police en scooter. Pour voir où est-ce que ça nous mène. Un petit peu ridicule. On va lui donner un avertissement verbal au speaker. Donc normalement, il y a une poursuite à moto, j'attends qu'il se plante. Mais là, il va-tu vraiment assez vite pour pouvoir se planter? Hey, asti de cave! Pensez-vous à droite, on s'arrête, on s'arrête. Le 18, vous m'envoyez une autre patrouille s'il vous plaît pour m'aider avec ça. Même si je vais faire rire de moi au bureau, j'ai besoin de backup pour arrêter un scooter. Mais eux autres, ils vont te régler ça sur un asti. Puis moi j'aurais pas la mort du gars à conscience. On va tourner, on tourne à droite sur Meteor Street, puis un autre droite sur Elgin Avenue. Oh oh oh, bang, c'est fait. Ok, les mains désertes. Non, arrête, arrête, arrête. C'est fini. Les mains désertes. À terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Vous m'avez, boys, vous le couvrez. Good, good, good. Le 18 au studio, M. Jerry Freeman, suspect menotté maîtrisé. Bon, viens-t'en, M. Freeman. Rien dans tes poches pour me piquer ou me blesser. Des chaises de camping. What the fuck? Des chaises de camping. Ok, viens t'insulter avec tes chaises de camping. Ça devait marcher drôle en tout cas avec ça caché là-dedans. Aïe aïe. Avec ou sans loup? Ok. On va arrêter la sirène. Je vais repositionner mon véhicule. Comme ça. On va aller monter notre flèche. Comme ça. Puis on va la mettre pour que le monde passe à droite. Comme ça. Ok. Donc là, on va libérer le trafic. On va juste le ralentir, par exemple. Toi, rentre-moi pas dedans, mon hostie, parce que c'est triste que je t'aimerais pas. Ok. On va activer l'ordinateur. Officer Hot Stuff. Avec le mot de passe. On va lui poser le background. On va chercher Monsieur Jerry Freeman dans l'ordinateur. Permis valide, pas de mandat, s'est fait arrêter 2 fois. 40 ans, il se promène en scooter. Ok. Excellent. Ensuite de ça, non, le scooter il n'est pas dans l'ordinateur. L'ordinateur n'a pas enregistré le numéro de plaque du scooter. Donc on va aller le faire manuellement. Scooter plaqué de l'Ontario, ça? Ben oui. Le 18 au studio, besoin de type 1 s'il vous plaît, plaqué de l'Ontario, un scooter noir immatriculé 64 Paul Edward Ocean 369. Target vehicle license plate 64 Paul Edward Ocean 369, a warrant issued. A traffic felony. Proceed with caution. Donc, le scooter appartient à un monsieur Dean Hunter, qui n'est pas notre personne qu'on a arrêtée. Puis cette personne-là a un mandat, puis son permis est suspendu. Mais lui, il n'a pas vraiment raison de se sauver. Il n'est pas rapporté voler le scooter, même si c'est pas le bon nom, on s'en fout un peu. On va quand même le remarquer, on va l'amener au poste, on va faire une enquête, on va contacter monsieur Hunter pour lui dire qu'on a ramassé son Fagio, qui est un excellent nom pour un scooter. Ensuite de ça, lui on va lui faire passer un test d'ivresse à maître parce qu'au départ il coupait des lignes, il coupait des lumières, conduisait bizarrement. Donc on va aller l'intercepter, on va agir comme si comme s'il était sous au volant. Ah, j'ai passé tout droit, hein, c'est 5. Ok, donc on va faire passer le test du rassomètre. Ça. Juste demander de souffler dans la petite machine qu'il y a ici jusqu'à temps que la lumière tourne au vert, s'il vous plaît. On souffle, 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 souffle. Bon, le test a échoué. Je vais vous demander de le faire une deuxième fois. Si vous échouez 3 fois, ça va être rajouté à votre dossier. On va prendre des prises de son au bureau. Souffle, 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 souffle. Ah, il reste une chance. 3 prises, puis t'es out. On essaie une autre fois. Bon, ok, là tu me niaises, fait que ça va même être ajouté à ton dossier que tu as refusé d'obtempérer aux ordres d'un agent de la paix. On va coller un peu un transport de prisonniers. 18 au studio, pouvez-vous m'envoyer un transport pour la personne arrêtée au coin de Elgin Avenue et Power Street. Backup required for a suspect placed under arrest and also dispatch, this is Charlie 29 inbound Gold Tree. I'll take an area. Roger. On va attendre notre véhicule de transport. I'm nearby, I'll take the call for you. On va aller fermer mes portes pour pas que lui les arrache. Hein, tu peux y aller? Non? Ok. À cette heure que c'est plus le temps, là tu passes. Ok. Bon, good. Là-dessus, on va rembarquer dans notre véhicule. On va baisser. Oups, mauvais piton. On va baisser la flèche. On va éteindre nos lumières. Puis on va finalement aller trouver une place pour entrer sur l'autoroute. On va faire un petit U-turn vite là, ici, avec les sirènes. Comme ça. Fait qu'on a un de fait. On va suivre le trafic. On va aller s'installer sur l'autoroute qu'il y a là, je pense. Parce que l'autre, elle s'en va en dehors. Hein? Ouais, l'autre, elle s'en va en campagne. Fait que... Oh, j'ai oublié de mettre mon flasher. On prend-tu la deuxième? Non, on va prendre la première. Ça s'en va vers l'aéroport. On va prendre la première ici. Faudrait que t'accélères dans bretelle, chose. Ok, ou pas. On va se cacher droit ici. Comme ça. Comme ça. On va éteindre nos lumières. On va allumer le radar, F5. Le cercle est là. Dispatch to all Vinewood units. We've got a civilian requiring assistance in Alpha. On appelle de welfare qui rentre. Ça, welfare, c'est quelqu'un qui est inquiet à propos d'un ami ou d'un voisin, puis il veut qu'on aille vérifier comment il se porte, mais ça ne nous regarde pas. Donc là, on est sur l'autoroute. C'est une zone de 100 km/h. On va essayer de pincer ceux qu'on voit rouler vite. Lui, il a de l'air à rouler pas pire. 109. Lui, 118. Pas tout à fait encore assez. Lui, je vais manquer. Oh, la moto là. 103. Hein? J'avais l'impression qu'elle allait plus vite que ça. Ouais, le Jeep s'en vient pas pire. 114. On voit qu'ils mettent les breaks quand ils me voient en virer à le coin, c'est drôle. Ah, maintenant on va en pogner un qui ne nous verra pas. Comme ça, 125 l'Emperor là. L'Emperor noir. L'Empereur noir. Oh, nice! Si vous êtes capable de vous tasser un petit peu plus vers la droite, là, dans l'accotement, comme il faut. Comme ça, juste là, c'est bien parfait, merci. Le 18 au studio, je vais être en triple 4 sur l'autoroute 4 dans Bretelle, en dessous de Hamilton Parkway du viaduc. On check pour être sûr qu'il n'y a pas de char qui s'en vient, que je puisse sortir en sécurité. Comme ça. Bonjour madame, Gab le Gamer avec le SPVM. Vous savez pourquoi je vous arrête? Mon Dieu, que vous avez de l'air fessé, vous. Wow. J'ai passé au radar là-bas à 127 km/h d'une zone de 100. Donc, j'aurai besoin de vos papiers, s'il vous plaît, immatriculation, preuve d'assurance et d'enregistrement du véhicule. Merci Mme Patton. Puis par hasard, est-ce que vous auriez pris un petit coup aujourd'hui? Non. J'avais pas pris de drogue non plus dans les dernières heures. Oui, vous êtes détenu en ce moment. C'est un traffic stop. Donc oui, vous êtes détenu. Vous voulez pas répondre à ma question? Bon, là, parfait. Je vous reviens dans pas très long, Mme Patton. On est bon. Si, bon, on dirait qu'elle s'est fait frapper par un train. Tu veux que je fasse là? Oui. OK. Donc, on va ouvrir ça. Fête de la baisse. Jennifer Patton, à 37 ans, permis valide, pas de mandat, s'est fait arrêter 3 fois. OK. Le véhicule, lui, c'est un empereur avec la plaque. Les assurances sont valides, les plaques sont valides. Tout est beau là-dessus. On va vérifier avec le dispatch. Le 18 au studio, besoin d'un type 1 sur un empereur noir immatriculé de l'Ontario. Numéro de plaque 27 Tom Sam William 476. Target license plate 27 Tom Sam William 476 no 1099. OK, donc tout est beau au dispatch aussi. Excellent, on va ouvrir ça. Donc on a un empereur, c'est un sédan qui est noir. On est sur Olympic Freeway à Pinewood. Sa date de fête est là. La raison pour qu'on l'arrête, c'est vitesse 21 à 30, elle est à 127. Donc comme ça, on a le numéro de ticket qui apparaît là. Puis, dans son dossier à elle, on a un ticket qui apparaît là aussi. Donc ça, j'adore ça. Puis si jamais je l'arrête une autre fois, ben je vais avoir, je vais savoir que je lui ai déjà donné un ticket. Bon, on va aller voir Mme Patton. Bonjour Mme Patton, merci d'avoir patienté. Voilà vos informations. Donc, je sais que vous avez l'air fatigué après un chiffre de travail comme ça, là, vous êtes cerné jusqu'au genou, fait que je vais vous faire ça vite. Je vous donne le billet d'infraction aujourd'hui pour 27 km/h au-dessus de la limite. C'est un total de 227 $. Vous avez 30 jours pour contester ou pour le payer. Vous avez juste à remplir l'endos. Là votre billet. Puis soyez prudents, trouvez le pied. La visibilité n'est pas très bonne aujourd'hui en plus. Donc soyez prudents là-dessus et passez une belle journée. Okay. À ce temps qu'on est resté en véhicule, elle va partir. On peut baisser notre flèche. La flèche ne marche plus. Bon. Ah, ok. Lol. Parce que quand tu pèses sur Scroll Lock sur le clavier, ça bloque toutes les fonctions de ILS. Comme ça, quand tu pèses sur d'autres pitons, ça n'interfère pas avec tes lumières. J'avais pesé dessus pendant que j'écrivais le billet. C'est pour ça que la flèche, elle voulait plus baisser. On a un autre ticket de fête. Quand même assez... de succès aujourd'hui avec nos opérations. Pas personne de mort encore. Même si le gars en moto a bien passé proche. Le gars en scooter. Hein, on va se mettre ici aujourd'hui, ce coup-là. Dans cet angle-là ou dans l'autre angle? Non, dans l'autre angle. On va plus vérifier ceux qui s'en viennent dans l'autre sens. 5. Ça, on va aller pogner plus loin. On va éteindre nos lumières. Ici, on est dans une zone de 70. Donc, la 5, c'est une zone de 70 jusqu'à temps que ça devienne 4 voies là-bas, dans Bretelle. 85, commence à être vite pas mal. C'est justement, les gens profitent de la descente pour prendre la vitesse. T'es-tu en scooter sur l'autoroute, toi? Ah, ok. Il est en scooter sur l'autoroute. Dans voie rapide. Okay. Bonjour monsieur, je vous arrête parce que vous êtes en scooter sur l'autoroute, donc c'est complètement illégal, le véhicule n'est pas capable d'aller assez vite pour suivre le trafic. On vous demande vos pièces d'identification s'il vous plaît, permis de conduire, matriculation, preuve d'assurance. Dominique Lizé, ok, ce sera pas long, donnez-moi un instant. Pendant que je rentre tes papiers, tasse-toi à gauche s'il vous plaît, le plus que tu es capable, là, avant de se faire tuer. Ok, c'est beau comme ça, merci. 18, je suis en triple 4 sur l'autoroute. On a aperçu un scooter qui roulait sur l'autoroute 5. Donc on va avoir besoin d'une remorqueuse, tout ça, on va le sortir d'ici. On va fouiller dans l'ordinateur. Dominique Lizé, permis est suspendu. En plus, son permis est suspendu à 36 ans. Bon. Donc, Guillaume, puis il n'y a pas d'assurance, puis son permis est suspendu. Ça va pas bien. Dominique Lizé, c'est pas vraiment une moto, mais on va l'appeler le même pareil. Donc, opération, non-respect, ça peut pas vraiment de la circulation, conduite dangereuse, comme ça, conduite dangereuse parce que c'est très dangereux d'être sur l'autoroute avec un exhaust, avec un scooter, parce que je lisais... échappement ici. Chose que j'ai failli avoir un ticket moi-même hier. Donc ce serait documentation. Il n'y a pas d'assurance. Puis permis non valide. Ok. Je vais juste me tasser pour être capable de sortir. Ah, c'est... Je n'ai pas assez tassé. Là, je suis au milieu de l'autoroute. Ah, ok. Ah oui, je me suis tassé. Ah, je vais demander de descendre du véhicule, s'il vous plaît. Donc, pour l'instant, pour ma sécurité, je vais vous mettre en menottes. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, vous êtes seulement détenu pour l'instant. Je vous passe les menottes pour ma propre sécurité puis pour la vôtre. Donc, on va aller s'asseoir dans le véhicule. On va s'attendre que le trafic ralentisse. Là-dedans. Vas-y. Vas-y, t'es arrêté sur l'autoroute. Go! Ah. Le 18 au studio, pouvez-vous m'envoyer un box truck s'il vous plaît pour le scooter sur l'autoroute? On est kilomètre 73 sur l'autoroute 5. T'es un peu haut, je vais pas te le porter jusque là, moi là. Go! Ah! Salut! Ah! Bravo! Pour ça qu'on te paye. Bon, ok. Oh! Que ça a passé proche, ça. Es-tu correct? Es-tu correct? Ouais? Ok. Attention! Attention! Oh! Es-tu correct? Ouais? Ok. C'est bon. Ouais, du monde tough à Montréal. Hop, il s'en va sans sa moto, hein. Ok. Bon, moi je vais avoir une tassée d'ici parce que je vais mourir. C'est correct? Ok. Bon. Monsieur Lizé, je vais vous remettre votre billet d'infraction. Ou ça. Donc, ça c'est l'étiquette pour vous être amené sur l'autoroute avec un scooter. En plus, vous n'aviez pas de permis, pas d'assurance. Moi, je vais vous appeler un transport. Ils vont vous amener au poste, ils vont vous enlever les menottes rendues au poste, juste pour vous sortir de l'autoroute. Question que tout le monde soit en sécurité. Je ne peux pas vous laisser partir à pied. Je ne peux pas vous appeler un taxi ici non plus, parce qu'il va arrêter dans le milieu de l'autoroute, comme lui vient de faire là. Ah ouais, tu fermes la porte. Bon, ok. On va en profiter, on est déjà ici. Quoique là, il y a un scooter là-bas qui a de l'air à ralentir le trafic, pas pire. Ah. On trouve un autre place. Ah non, tiens. J'espère que j'ai enlevé mon... voyons. Mon affaire qui ralentit le trafic. Ça a de l'air à rouler pas pire. Donc on va se replacer. Notre radar. Ah, la hauteur ici, c'est une zone de sang. Le truc là, il roule pas pire. Ok. Il avait l'air d'aller plus vite que ça. Tabarnak. Pas encore. Il y a des astis de scooters partout. Il y a des astis de scooters partout. Ça paraît que l'été est revenu. C'est deux affaires que je m'ennuyais pas, ça, de l'été. Des scooters et des moustiques. Et étonnamment, ils font le même bruit. Puis des cyclistes. Ouais. C'est-tu que j'ai eu des cyclistes? Il y en a des corrects, là, mais ils sont rares. Ils sont rares. Il roulait quand même à 106 avec son scooter. Ah ouais, ça n'en prend rien qu'un. Ça n'en prend rien qu'un. Ça m'a fait. Ouais, une petite journée tranquille. On va voir s'il y a des appels sur la radio. Hein. Dispatch calling unit 1 King 18. We have a traffic alert on Ils s'en viennent vers nous en plus, je crois. Je pense que oui, à moins qu'ils soient dans... dans Bretel. Attention Unit 1 King 18. Approach with caution. On va les attendre parce que d'après moi ils sont à veille de monter sur l'autoroute. Vérifier. On le suit avec le tracker GPS. Là. Changement de voie sans voie ni sans clignotant. Oh! Du feu qui sort de là-dedans. Wow! 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 Qu'est-ce que vous collissez là? Conduit bizarre, on va voir, on prendra pas de chance. Hein. Conduit bizarre, il hésite entre les changements de voie. On passe à droite avant de causer un accident, plus qu'on a déjà causé. Viens-t'en, va-t'en en avant là, là. Ça, c'est beau, merci. C'était weird, honesty. Je l'ai dépassé, puis il essayait de me redépasser à cause du script. 7, 5, comme ça. Oh! Bon! Ça n'a pas duré longtemps. Ok, donc le 18 au studio, on va être en poursuite avec un prairie gris. On est présentement sur le pont Jacques Cartier en direction est. Donc on va surveiller, c'est des personnes connues pour transporter de la drogue. Tassez-vous, tassez-vous! Qu'est-ce que vous faites à faire des U-turns sur le pont Jacques Cartier? Calice! Passe à côté! Bon! Ok, donc on va regarder pour être sûr qu'ils jettent rien par les fenêtres, des pièces à conviction. Ok, on va regarder pour pas tuer personne non plus en route. À date, j'ai rien vu. Je n'ai pas vu jeter rien. Toujours en direction est sur la 20. On est sur la deuxième portion du pont-Jacques-Cartier. Toujours rien. Envoyez-moi une patrouille supplémentaire, s'il vous plaît. Là, il vient jeter un paquet là. Ça vient dans le sens contraire. Oh! C'est fini. Football! Football! Moi, je pars après lui. T'as pogné l'autre. Oh! Ok. Non, à terre. Ah! Taser. Ok, les managers. À terre. À terre, complètement à terre. C'est bon. 18 au studio, M. Wayne Myberg menotté maîtrisé. Donc est-ce qu'on a vu des preuves? Oui, on en a vu. Donc on va l'amener. L'autre est déjà arrêté là-bas. Donc notre collègue a fait la job. C'est bon ça. Il est là. Oh, j'ai oublié de le fouiller. Non, j'ai oublié de le fouiller. Ah! Sors du char. Ok. Fait. Excuse-moi. T'as rien dans tes poches, je peux me piquer ou me blesser. Une paire de gants pis des knuckle dusters. Ok. Là, tu peux t'asseoir. Hey, je peux-tu... Calice. C'est ça qui arrive. Fait que ce char-là a le même bug que les autres chars avant. C'est pas à savoir. Parce que tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a une porte. Ok, arrêtez là. Ça suffit. Quelqu'un est mort dans ce char-là? Non? Ok. Ça m'a demandé si je voulais faire du CPR. Donc c'est le même bug, là, dans le fond, la porte elle a arraché. Fait que là, il y a une carcasse du véhicule qui suit la porte. Quand on fait une fouille dans le char, on trouve un billet de train pour un monnaie, une boîte d'allumettes, une hache, une clé à cliquer, 12 grammes de méthamphétamine, puis un shotgun. 18 au studio, oubliez la voix, 18 au studio, besoin d'une remorqueuse s'il vous plaît, sur le Paul Walker pour la prairie grise de la poursuite. Ouais. Ouais, petit courant d'air, hein? Ok. Je vais juste faire le tour aussi une fois que... Non, on peut faire venir une chose pour lui. Pour faire venir un transport aussi pour le prisonnier. Assistance needed for a suspect placed under arrest in Cypress Flat. Roger. On va checker voir si à côté du char il y avait quelque chose. Non, il n'y a pas de drogue à terre ici. Ok. Good. Doucement. Belle culotte d'armée. Bon. Donc, quand la porte elle change de bord, ben la carcasse au complet vire avec. Ouais. À toutes les fois que quelqu'un passe sa porte. Ben. Ok, on enlève ça, on ferme l'autre lumière. On va aller chercher nos preuves qu'on a contre la personne. Ok, donc on va retourner sur notre chemin. Il y en avait échappé une ici, ouais. Ok, on va juste se tasser un peu plus pour être capable d'ouvrir la porte. Comme ça. Je vais garder ma flèche montée puis je vais me promener comme ça. T'sais. parce que j'ai pas vu, je l'ai pas vu toucher grand chose par la fenêtre. Pour vrai, là, d'habitude il en pitch souvent dans cette cale-là. Là, j'ai presque rien vu. Fait que c'est-tu juste parce que je l'ai pas vu? Parce qu'il n'y a rien pitché. Tu sais, j'ai mis des... J'avais un point vert là. Le point vert là, c'était juste un point de repère. Je pense que oui. Des fois, je mets des points... Parce que tu payes sur 9 sur le clavier pour mettre un point vert sur la map. Des fois, je le fais juste par point de repère pour me rappeler où ce qu'on a passé. Mais tu sais, là, ici, il y a des déchets, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de drogue ou d'argent ou rien de ça. Ici, on l'avait perdu de vue un peu. Ouais, drette là. Pas facile à voir, ça. Ça. C'était pas facile à voir celle-là. Ok, donc on va continuer notre route. On va essayer de toutes les trouver. Là, à date, on a 2 paquets de drogue. Si on pourrait avoir de l'argent en plus, ce serait génial. Pouvoir le pogner pour blanchiment d'argent en plus. Là, on l'a pour trafic de drogue, pour évasion, pour résister à son arrestation. On est obligé de le peser. On l'a pour plein d'affaires. Okay. Mais blanchiment d'argent, ça fait ça plus. Il n'y a pas grand chose. On voit pas grand chose. Il n'y avait rien. Il y avait celle-là dans l'auto aussi. Il y avait de la méthamphétamine dans l'auto. Donc ça c'était un point de repère que j'avais mis. J'avais essayé de le mettre au début de la poursuite, mais on avait déjà un petit bout de fête quand j'ai réussi à trouver le piton. J'essayais le 9 sur le clavier, le numpad à droite, ça fonctionnait pas. Là, il y a de l'air à avoir de quoi, là. Ouais. Celle-là, par exemple, je vais faire le tour, je vais revenir. Aller passer où il n'y a plus de muret de ciment là. La poursuite a commencé ici. Est-ce qu'il y a une place que je peux me revirer de bord moi? Dedans? Ouais, près de ça. Ok. Attendre d'avoir l'occasion de me passer comme ça. Ici en l'arbre. Donc la poursuite a commencé ici. Le premier item il est là. Ça. Bon. Ok. Je pense qu'on a tout. On va juste trouver un spot pour arrêter sur le bord. Ben ici, dans le milieu. On va tenir le bouton 0. Malheureusement, il n'y a pas d'argent, donc on va l'avoir pour près. trafic de stupéfiants seulement. Donc, Officer One King 18, vous avez trouvé 3 pièces de conviction. Wayne Myberg a été trouvé coupable de conduite dangereuse, récitation d'arrestation et haut trafic de drogue, et a eu une sentence de 18 ans de prison comme résultat. Le passager Bobby Dawson a été trouvé coupable de récitation d'arrestation et de trafic de stupéfiants élevé. Il a eu 21 ans de prison, probablement à cause des antécédents. J'ai manqué une pièce à conviction. Puis je ne l'ai pas vue. Ok. J'ai manqué ça. Mais bon, c'est un bon appel pareil. Puis je pense que je suis rendu pas mal à 1 heure dans mon vidéo. Moi, ça passe vite, Puis on a été chanceux. Le jeu a pas bugué tellement, accepté le truc avec le char. Mais c'est pour ça des tests, qu'on teste les véhicules. Donc, le véhicule a été fait par mon bon ami Mr. Potato. Il s'en vient avec d'autres véhicules aussi, véhicules de la SQ avec la vraie light bar Whelan Independence, qui va être unique parce qu'il y en a plein d'autres qui disent avoir la bonne light bar, mais quand on en regarde de proche, ça ressemble même pas. C'est pas pantoute ça. Fait que là, nous autres, on va avoir la vraie light bar faite à partir de zéro, dans le fond, faite à partir de scratch. J'ai bien hâte d'essayer ça, j'ai bien hâte de voir ça. Il est en train de faire les dernières retouches sur les véhicules là-dessus. Les skins, ça va toujours être ceux que moi j'ai fait qui vont être dessus. Mais il est en train de placer les lumières dans les grilles, puis tout ça, puis s'assurer que tout fonctionne. Alors, ensuite de ça, on va avoir une phase de test, puis probablement que d'ici une semaine ou deux, on va pouvoir faire une patrouille avec ces véhicules-là. Fait que là-dessus, ben, passez une belle fin de semaine. Pour ce qui en reste, soyez prudents sur les routes du Québec. Il fait beau. On est plus porté à peser sa pédale un peu. Mais il faut faire attention. Nos valeureux policiers sont toujours aux aguets, que ce soit sur l'autoroute ou dans les rues de la ville. Donc, soyez prudents. Faites attention à vous autres. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!